Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Point de vue, dont je vous propose de découvrir tout de suite en images le sommaire. Évidemment, nous allons parler du voyage du président de la République, de la visite d'État, plus précisément du président Macron aux États-Unis, alors que Emmanuel Macron, en ce moment même, s'exprime devant le Congrès américain réuni à la Chambre des représentants. Dans cette visite, il y a beaucoup de mise en scène, certains diraient peut-être de comédie. Alors, on va s'intéresser à ça, lequel des deux hommes vous apparaît le plus convaincant dans cet exercice. Et puis, bien sûr, on parlera aussi du fond sur des dossiers lourds comme le nucléaire iranien. Lequel des deux a réussi à faire le plus avancer ses pions? Vous nous donnerez votre point de vue. Et puis, nous parlerons aussi de cette chronique, de cette tribune, plus exactement remarquée, de 30 imams français qui s'élèvent dans le quotidien Le Monde contre l'antisémitisme et le terrorisme. Est-ce que c'est une sorte de réveil de l'islam de France? Vous nous donnerez là aussi votre point de vue. Et puis on parlera enfin de, des menaces qui existent ou existeraient sur la liberté de la presse, y compris en Europe ou aux États-Unis. C'est en tout cas ce qu'affirme Reporters sans frontières dans son dernier classement, classement annuel sur la liberté de la presse partout dans le monde. Nous allons parler de ces sujets avec nos quatre invités. Bonsoir Georgi Kuzmanovic. Bonsoir. Vous êtes secrétaire national du Parti de gauche et porte-parole de la France insoumise, en particulier sur les questions de défense et d'international. Bonsoir à Frédéric Dabi, politologue, directeur général adjoint de l'Institut de sondage IFOP. Alexis Lacroix est avec nous aussi. Bonsoir Alexis. Bonsoir Guillaume. Vous êtes directeur délégué de la rédaction de L'Express. L'Express qui publie en couverture cette semaine un dossier sur la planète Mars, hein, je ne me trompe pas. Tout ça est très dépaysant. Voilà. Objectif Mars. Et puis, vous êtes aussi l'auteur de plusieurs livres, dont le dernier, J'accuse 1898-2018, permanence de l'antisémitisme, a été publié aux éditions de l'Observatoire. Puis nous avons le plaisir aussi d'accueillir Renaud Girard, le chroniqueur international du Figaro, qui nous régale de ses analyses chaque mardi dans le quotidien Figaro. Vous êtes l'auteur de « Quelle diplomatie pour la France ?» et votre dernier livre « Prendre les réalités telles qu'elles sont » aux éditions du CERF. Et vous nous avez régalé d'un débat passionnant avec Bernard-Henri Lévy, qu'Alexis Lacroix connaît bien. C'était dans le Figaro Magazine. Malheureusement, un numéro qui n'est plus en vente. Tant pis mais pour vrai, ceux qui l'ont vrai raté. Vrai débat de fond entre deux hommes de bonne volonté qui sont très honnêtes intellectuellement. On ne peut pas faire mieux dans le genre du débat, je crois. Eh bien, écoutez, tout ça est remarquable. On s'en réjouit. Nous n'allons néanmoins pas parler de Bernard-Henri Lévy, mais d'Emmanuel Macron. Dans cette émission Point de vue, Emmanuel Macron qui est donc en ce moment même en train de prononcer un discours devant le Congrès des États-Unis. Voilà, c'est le point d'orgue d'une visite d'État qui a commencé lundi dernier. Alors il y a eu des moments assez intéressants, assez piquants, assez amusants. On peut peut-être s'arrêter quelques instants sur cette espèce de mise en scène, cette dramaturgie très particulière. En voici deux exemples. Le premier, c'est Donald Trump qui parle, ça se passe hier, c'est lors des photos officielles dans le bureau ovale à la Maison Blanche. It's a great honor that you're here, but we do have a very special relationship. In fact, I'll get that little piece of dandruff off. Little piece. We have to make him perfect. He is perfect. Évidemment, rafale de photos, tout ça est évidemment voulu. Renaud Girard, vous qui connaissez bien les États-Unis, c'est quoi ça? C'est un numéro d'acteur? Ça a un sens? Pourquoi est-ce que Donald Trump fait ça? D'abord, si ça tombe, il n'y a pas de pellicule sur la veste de Macron. C'est vrai qu'on n'aurait pas imaginé John Fitzgerald Kennedy épousseter le revers du veston du général de Gaulle. C'est vrai que c'est une scène qu'on n'aurait pas imaginée. Eh bien, je pense que Donald Trump voulait, tout ça est bon enfant, voulait montrer qu'il avait une amitié particulière, tellement particulière, avec son ami Emmanuel Macron, qu'il avait invité à un dîner grandiose au deuxième étage de la Tour Eiffel, avec vue sur tout Paris. Ça, c'est quand il était venu pour le 14 juillet. Quand il était venu pour le 14 juillet 2017 à Paris. Et donc, il voulait lui montrer une marque qu'on pourrait qualifier de familière, d'épousseter le revers du veston de son ami, mais aussi d'amitié. Et finalement, il ne faut pas prendre ça de manière désagréable. C'était un geste qui se voulait amical. Alors ça a été beaucoup, on en parlera tout à l'heure. Sur le fond, visiblement, les discussions ont été beaucoup plus dures. Mais
je crois que nous, en par, nous allons pas en parler là à l'instant. Enfin, je peux détailler. On va en parler. Et d'abord sur ces marques d'attention, on vous pose la question sur Twitter, hein, sur hashtag Figaro Live, hashtag Point de vue. Est-ce que vous pensez que les marques d'attention affichées entre Donald Trump et Emmanuel Macron ne sont qu'une stratégie diplomatique ou est-ce que c'est le signe d'une véritable amitié? Ben, apparemment, vous pensez que tout ça est un peu téléphoné, en tout cas diplomatique, puisque vous êtes 78% à pencher sur cette explication. Georgi Kuzmanovic, je reviens à tous ces signes d'amitié, d'affection, on plante un arbre, toute cette mise en scène. Est-ce que ça vous a énervé, franchement ? C'était assez ridicule. La forme ne va pas sans le fond, mais on reparlera du fond, comme vous l'avez dit. Mais sur la forme, on a quand même il a fortement insisté sur sa relation privilégiée avec son ami Trump. Et on semble oublier qui est Trump, parce qu'il me semble que tout le monde critiquait beaucoup Trump quand il était élu, comme un soudard, un type qui attrape les parties génitales des femmes pour les dominer. Enfin bon, on était quand même dans un extrême. Maintenant, il est relativement devenu quelqu'un de fréquentable. Parce qu'il impose sa vision géopolitique. Et voilà. Il y a une forme d'hypocrisie dans ces embrassades. Une forme d'hypocrisie. Ce qui était ridicule, c'est que Macron a essayé de cacher le fait qu'il venait recevoir des ordres. Alors, il est venu faire croire qu'il allait conseiller Trump, lui expliquer qu'il ne faut pas reculer sur le nucléaire, sur l'accord nucléaire iranien, on y reviendra. Et puis finalement, Trump l'a pris par la main, elle a traîné, et ce qu'il lui a autorisé à faire, c'est à planter un chêne dans le jardin de la Maison Blanche. Voilà la grande œuvre de notre président aux États-Unis. Alors évidemment, c'est sévère. Évidemment, Emmanuel Macron n'est pas exactement. Alors, allez-y, Alexis. J'entends ce que dit notre ami. De la France insoumise avec intérêt. D'ailleurs, il n'est pas le seul à le dire. Le chef de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, qui est aussi un intellectuel, marqué par des combats anti-impérialistes depuis plusieurs décennies, le dit. Et donc, c'est vrai qu'il y a ce discours dans votre formation politique, monsieur, qui consiste depuis, disons, avant-hier, à nous dire que monsieur Macron va chercher ses ordres à Washington, en gros. Voilà. Eh bien, moi, d'abord, je ne pense pas que ce soit vrai, et je ne fais même pas, sans entrer, vous voyez, dans les détails des discussions, puisqu'on va y venir dans un second temps, mais sur le plan dramaturgique, sur le plan chorégraphique, je ne fais pas du tout la même lecture que vous de ce. Comment dire, de ce jeu diplomatique très mis en scène qui a eu lieu. Il y a, c'est vrai, l'épisode des pellicules, enfin, des fausses pellicules. Alors, je l'interprète d'ailleurs pas tout à fait comme Renaud, je pense que là, ça témoigne d'une certaine condescendance du président américain à l'égard de son petit frère français. En revanche, je vous trouve très étonnant avec Macron. On a plein de choses à lui reprocher, sans doute sur la scène domestique. Mais à l'international, ce qu'on ne peut nier, mais peut-être n'êtes-vous pas assez européen pour vous en rendre compte, c'est qu'il fait valoir dans le vaste monde, et notamment à Washington, les intérêts fondamentaux de l'Europe. Or, contrairement à ce que vous dites, M. Macron n'est pas allé, comme M. Blair, en caniche de la puissance américaine. Il est allé, au contraire, porter le fer autant qu'il se peut quand on est un des représentants de l'Europe face aux États-Unis d'Amérique. Donc c'est exactement l'inverse du discours que la France insoumise propage par votre voix. Bah, entre Make Planet Great Again. Voilà. Oui, mais c'est les deux. C'est les deux. Alors, justement, Make Planet Great Again, qui était l'attaque contre l'abandon de l'accord sur le climat. Il me semble que c'est un petit peu couché là-dessus et que c'est pas très grave. Mais non, pas du tout. C'est un clin d'œil à son hôte. C'est de dire. C'est vrai qu'il a planté un arbre. C'est mais vous rigolez. Vous rigolez. C'est un clin d'œil à son hôte. C'est de dire vous voulez rendre l'Amérique à nouveau grande. Et ben moi, vous voyez, je suis là pour vous dire que je veux rendre la France à nouveau grande. Il le dit en plus. Et ça, on peut pas lui reprocher. Hein. Il faut être Macron critique quand il le mérite. Mais ne soyez pas Macron critique de manière pavlovienne à la France insoumise. Et non, ne soyez pas pavlovien. Là, quand il dit ça, au contraire, il affirme une volonté politique de la France. Il n'y a rien à redire, mais franchement, il n'y a rien à redire. Alors, vous allez l'avoir, cette volonté en image. On va l'avoir en image avec Emmanuel Macron, tout de noir vêtu, puisque c'était lors du dîner d'État qui avait lieu hier soir à la Maison-Blanche. Emmanuel Macron parle au président Trump en disant on s'aime bien, mais ça ne m'empêche pas de savoir qu'on n'est pas d'accord. Regardez. J'ai appris à vous connaître. Vous avez appris à me connaître. Nous savons l'un et l'autre que nous ne changeons pas facilement d'avis, mais nous avons la volonté totale de travailler ensemble. Et je crois la capacité constamment mesurée
de nous écouter l'un l'autre. On admire au passage l'extraordinaire mise en scène, hein, si on peut revoir les images en off du président Macron, la cheminée derrière, un éclairage très savant, les bougies au premier plan, enfin tout ça est absolument magnifique, on dirait un grand film américain. Frédéric Dabi, votre point de vue sur tout ça? Non, je voulais peut-être faire modestement la synthèse entre les points de vue un peu opposés qu'on vient d'entendre. Vous savez qu'on adore les points de vue opposés. Voilà, je vais essayer d'amener de l'eau au moulin de l'opinion publique française. On vient de réaliser une enquête avec Match, Fiducial et puis CNews sur le bilan à un an d'Emmanuel Macron, et par domaine d'action, les éléments les plus appréciés concernent les relations avec l'Union européenne et l'image de la France à l'étranger, qui sont des secteurs où la logique de distinction par rapport à ses deux prédécesseurs et d'incarnation, il y avait eu des critiques très acerbes sur le voyage de Nicolas Sarkozy aux États-Unis avec ses ministres, femmes, etc. En 2007. Par contre, c'est vrai que sur le regard des Français vis-à-vis de Donald Trump, on est sur des jugements extrêmement sévères. L'IFOP, qui est un vieil institut, pose une question historique sur les alliés les plus sûrs de la France. Entre 2016 et 2017, avant et après l'élection de Donald Trump, le fait que les États-Unis de Trump soient un allié sûr pour la France a perdu en un an 38 points. Donc il y a vraiment une méfiance vis-à-vis des Français. Et c'est vrai que l'opinion publique française n'aime pas qu'on ait le sentiment qu'un dirigeant français s'aligne sur une grande puissance. Mitterrand qui vilipende Giscard, le petit télégraphiste de Brejnev. Et on se souvient qu'un des leviers de la popularité de Jacques Chirac en 2003, c'était la non-intervention en Irak et le fait qu'il n'ait pas suivi George W. Bush. Mais sur Emmanuel Macron, pour l'instant, il n'y a pas du tout ce sentiment qui s'aligne sur les États-Unis. Mais il peut y avoir ce soupçon d'une partie de la gauche. Alors, on va y venir justement à ces dossiers importants pour savoir s'il y a ou non alignement. Je vous propose, avant ça, d'écouter les points de vue de nos internautes qui s'expriment sur les réseaux sociaux, sur le Figaro.fr, sur Twitter. Mireille Pellestor-Martel, merci à elle de se... signalé sous son nom, ça n'est pas si fréquent. Je suis en train d'écouter en direct le discours de Macron au Congrès. J'espère que vous nous écoutez en même temps, chère Mireille. Aucun accord n'est trouvé. Trump ne reviendra jamais sur ses décisions. Donc, c'est pour moi juste une visite de politesse. Rien n'en sortira. Adavami Servet nous dit « Macron brasse du vent ». Habib Reguieg, c'est une non-rencontre. Et Habib qui précise « C'est un show à l'américaine sans aucune incidence sur la politique internationale. Gina nous dit c'est les deux font la paire. Et encore Habib, je crois que Macron, avec cette visite, voulait prouver son leadership européen. Alors, on va parler de tous ces sujets. Je suis les sujets de fond. Je vous propose qu'on commence par le nucléaire iranien, ce fameux accord signé en 2015, où, en gros, l'Iran abandonne son programme nucléaire en échange d'une levée de l'embargo. Trump, il est vent debout contre cet accord. Écoutez ce qu'il en disait. C'était encore hier et c'était encore dans le bureau ovale. It was a terrible deal. It should have never, ever been made. We could have made a good deal or a reasonable deal. The Iran deal is a terrible deal. We paid $150 billion. We gave $1.8 billion in cash. That's actual cash, barrels of cash. It's insane. It's ridiculous. It should have never been made. But we will be talking about it. Renaud Girard, peut-être un point de précision. Qu'est-ce que c'est que ces milliards d'argent liquide dont parle Trump ? C'était en fait de l'argent qui appartient aux Iraniens. C'était de l'argent iranien qui était bloqué à cause d'une politique de sanctions américaines à propos justement de ce programme nucléaire. Dès lors qu'un accord avait été négocié longuement par les États-Unis avec un rôle très important du secrétaire d'État Kerry, donc de l'administration Obama, à partir du moment évidemment où l'accord a été signé, ces sommes qui appartenaient aux Iraniens ont été simplement libérées. Voilà. Alors, maintenant sur le fond, donc, Trump dit cet accord est horrible, Emmanuel Macron, lui, le soutient. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Qui l'a emporté? Alors, malheureusement, c'était une tâche très difficile de la part de Macron, parce que c'est vrai que Donald Trump, pendant sa campagne électorale, sans doute pour se démarquer d'Obama et des démocrates et de Hillary Clinton, et sans doute aussi sous la pression des lobbies pro-israéliens, de l'EPAC notamment, American Israeli Political Committee, Political Affairs Committee, eh bien, il avait promis de déchirer cet accord, qui est en fait un très grand accord diplomatique selon moi, cet accord où, effectivement,
pour redevenir une puissance commerciale importante, ce qu'elle était dans les années 70, l'Iran accepte de ne pas être une puissance nucléaire. Et Trump veut déchirer cet accord. Et alors, c'était très difficile parce qu'effectivement, Emmanuel Macron n'est pas parvenu à le faire changer d'avis. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Ce qu'il a essayé, et c'est très... vous savez, on fait de la diplomatie, on essaye. Et moi, je trouve ça très beau d'essayer. C'est très difficile. Alors, qu'est-ce qu'il a proposé ? Il a proposé qu'on passe d'une politique, d'une diplomatie de stabilité qui ne bouge pas, c'est-à-dire il y a un accord, il y a des gens qui veulent le détruire, à une genre de diplomatie dynamique. Il a dit, bon, on va faire une chaise à quatre pieds. Alors, l'Amérique n'aime pas le pied qui s'appelle le JCPOA, cet accord dont vous parliez du 14 juillet 2004, et je vais proposer donc de négocier trois autres pieds pour cette chaise. L'un, c'est-à-dire la suspension de l'enrichissement d'uranium par les Iraniens au-delà de 2025, ce que prévoyait l'accord. Le deuxième pied. Le troisième pied, c'est ouvrir une nouvelle négociation sur les missiles balistiques, c'est-à-dire que l'Iran a toute une politique de défense par les missiles, pas par les jets, ça c'est des Saoudiens, mais par les missiles. Mais eux-mêmes, d'ailleurs, ont plafonné la portée de leurs missiles à 2000 km, donc ils ne menacent pas l'Occident, mais ils menacent, évidemment, ils sont capables de frapper à la fois l'Arabie Saoudite et à la fois Israël, qui sont deux alliés des États-Unis. Et puis, le quatrième pilier qu'ils ont évoqué, c'est que tous les deux sont très inquiets de ce qu'ils appellent l'expansion de l'Iran, l'axe chiite, c'est-à-dire Téhéran, Bagdad, Damas, Beyrouth, c'est-à-dire l'accès maintenant de l'Iran à la Méditerranée, le vieux rêve de Cyrus, le vieux rêve des Perses qui est réalisé. Ils aimeraient revenir là-dessus, c'est-à-dire faire en sorte que l'Iran soit moins puissant dans la région et n'ait pas cette espèce de corridor vers la Méditerranée. Est-ce que cette diplomatie dynamique a commencé, c'est-à-dire aujourd'hui même, là où nous parlons, les diplomates français et américains se concertent pour essayer de la mettre en œuvre. Est-ce que ça va être accepté par l'Iran ? Est-ce que ça va être possible ? Dès le 12 mai, peut-être que Trump prendra une décision de retour aux sanctions, ou peut-être qu'il ne prendra aucune décision. Et donc, s'il prend aucune décision, puisque le Congrès a refusé de reprendre ce dossier pour lui, s'il prend aucune décision, eh bien, les sanctions ne seront pas remises contre l'Iran. Il faut qu'il y ait une décision positive, un executive order du président pour que les sanctions soient remises contre l'Iran. Il faut attendre. C'est une dynamique. Ça va être, je pense, très difficile. Je donne 25% que ça réussisse, mais ça vaut le coup d'être tenté. D'accord. Zéro, nous dit Georges Kuzmanovic. Avant de recueillir vos points de vue sur ce sujet, je vous propose d'écouter un peu un résumé de ce que vient de nous dire Renaud Girard, mais dans la bouche cette fois d'Emmanuel Macron, sur ce qu'est la proposition française. Ni vous ni moi n'avons pour tempérament ou habitude de changer de position avec le gré du vent. Vous considérez que le deal iranien, le JCPOA, donc l'accord qui a été négocié en 2015 avec l'Iran, est un mauvais accord. Depuis plusieurs mois, je dis que ça n'est pas un accord suffisant, mais qu'il nous permet en tout cas d'avoir jusqu'en 2025 un contrôle sur les activités nucléaires. Nous souhaitons donc pouvoir désormais travailler sur un nouvel accord. Alexis Lacroix, je vois que cette porte ouverte semble vous agréer. Oui, il faut écouter, là c'est pareil, il faut être équanime dans le commentaire. Je trouve que les gens perdent un peu le sens de la... Je suis entièrement d'accord avec Renaud, le président français, quand il va à Washington, dans le cadre de la discussion sur l'accord de 2015 avec l'Iran, joue son rôle. C'est-à-dire qu'il est tout à fait normal qu'il essaye d'ouvrir une porte de négociation, peut-être d'ailleurs sans y croire totalement. Je vais vous dire pourquoi. Car là, je rejoins Renaud. Je pense que Macron a quand même une très grande intelligence des développements géopolitiques dans la région. Et il sait que l'alliance saoudienne des États-Unis est aujourd'hui très resserrée. Elle est aujourd'hui beaucoup plus resserrée qu'il y a quelques années, pour une raison d'ailleurs, une des raisons du resserrement de cette alliance, qui explique peut-être aussi d'ailleurs la fermeté de Trump sur le dossier iranien, c'est le fait qu'entre Israël et l'Arabie saoudite, il y a de plus en plus de passerelles, notamment technologiques, mais qui dit passerelles technologiques dit également, vous le savez bien Guillaume, des passerelles militaires, enfin les complexes militaro-industriels d'Israël et d'Arabie saoudite sont de plus en plus en phase. Donc cela permet aussi, effectivement, au président américain de durcir sa position sur l'Iran. Mais vous voyez, moi je suis pragmatique, quand on représente les intérêts de la France,
on n'a pas à se, comment dire, à se rallier par principe à la position de Washington. Donc c'est vrai que Macron, il est porteur du point de vue de la France, c'est tout à fait légitime, mais il sait aussi, car c'est un homme intelligent et avisé, il sait aussi, cher monsieur, que ses chances d'aboutir sur ce dossier-là, sur ce dossier iranien, sont faibles, étant donné le rebasculement des tropismes géopolitiques des États-Unis vers son allié saoudien, et en gros, on va dire, vers l'axe sunnite modéré, c'est-à-dire Égypte, Arabie saoudite et Israël, alliés ensemble, face au totalitarisme chiite. Au nom de l'équanimité à laquelle nous appelle Alexis Lacour, on va maintenant passer la parole à Jorge Kuzmanovitch. Honnêtement, il fait tout ce qu'il peut, là, Emmanuel Macron. On veut dire, il avance ses arguments, il essaie de faire bouger Trump. Non, je prends un tout petit peu de temps, comme l'a fait mon camarade, pour expliquer la situation, parce qu'il faut revenir un peu en arrière. Et en fait, tout ce qui s'est passé à Washington est un immense show d'une mise en adéquation complète de la diplomatie française avec les exigences de l'administration Trump. Écoutez, ça fait 15 ans qu'on dit ça. Je ne vous ai pas coupé. Donc, Donald Trump, son premier voyage international, se fait effectivement à Riyad, où déjà il met un tacle à l'accord, et on comprend très bien quelle va être la course de sa présidence sur l'accord nucléaire. À ce moment-là... L'accord nucléaire avec l'Iran. Oui, avec l'accord nucléaire avec l'Iran. À ce moment-là, la France et les Européens, donc M. Macron, lui disent « c'est une très mauvaise idée, cet accord a été négocié ». On semble l'oublier, parce qu'on parle de France et des États-Unis, mais avec l'Iran, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, mais aussi la Chine et la Russie. Alors, pour faire revenir la Chine et la Russie sur cet accord, bonjour. C'est pour ça que je disais zéro. Il n'y a aucune chance, ça a mis des années à se mettre sur pied, cet accord. Et ce n'est pas les tweets de Trump qui vont convaincre ces diplomaties-là. Et on a... C'est Rohani qui dit tout le mal qu'il pense de l'attitude de Donald Trump et de sa volonté de revenir sur l'accord. Et il est bien obligé, le président Rohani, de faire cela, puisqu'il fait partie des modérés du régime iranien, et qu'il a basé toute sa survie politique à lui et des modérés iraniens sur cet accord. Donc il est obligé d'en faire beaucoup, parce que derrière, il y a les gardiens de la révolution qui se frottent les mains et se disent « on va faire comme qui ?» On va faire comme notre ami Kim Jong-un, qui est une dictature tout à fait sévère en Corée du Nord. Mais visiblement, Trump le trouve plus sympathique parce que lui, il a été suffisamment malin, il a tenu le coup sous les sanctions, il s'est construit une arme nucléaire et maintenant il est respecté, il sera reçu. Laissons passer, et c'est leur idée et c'est ce qui va se passer. Il va y avoir une rencontre, peut-être en Thaïlande. Mais c'est colossal. C'est colossal diplomatiquement. C'est un succès. Et c'est une protection que s'est offert la Corée du Nord et un message terrifiant que donnent les États-Unis à tous les autres pays. Si vous êtes sûr de ne pas vouloir être attaqué par les États-Unis ou ses alliés, en l'occurrence l'Arabie Saoudite et Israël, puisque c'est ce qui s'en suivra. C'est l'Iran qui est une dictature islamiste extrêmement dangereuse pour la paix du monde depuis 15 ans. C'est ça la réalité, monsieur. Et donc l'Arabie Saoudite n'est pas une dictature islamiste qui finance le terrorisme mondial. La diplomatie, et qui mène une guerre au Yémen. La diplomatie, monsieur, vous devriez le savoir. Vous qui êtes spécialiste de ces domaines, c'est le choix entre le mal et le moindre mal. Il apparaît qu'aujourd'hui, pour les Américains, c'est une réalité. Vous êtes obligé de partir de là. Donc, l'Arabie Saoudite, c'est le moindre mal par rapport à l'Iran. Davantage de liberté politique et davantage de liberté religieuse en Iran qu'en Arabie Saoudite. Si vous voulez, par exemple, ouvrir une synagogue, pourquoi pas, en Téhéran, c'est demain vous l'ouvrez, la synagogue à Téhéran. Essayez d'ouvrir une synagogue chez nos amis saoudiens. Je propose que nous écoutions pendant quelques instants encore la conclusion de Jorge Kuzmanovitch. Il y a déjà eu un changement il y a quelques semaines de la part de Macron, qui a envoyé Le Drian pour faire un préambule aux renégociations à l'accord nucléaire iranien sur les missiles balistiques. Donc exactement ce qu'exige Trump. On voit là, c'est un alignement total aux exigences de Donald Trump. Il n'y aura pas de plan B. Le plan B est inexistant. C'est un propos de M. Macron et il n'est pas indépendant. Quand la France était indépendante, c'était encore en 2003. Et il me semble que le président Chirac et le président Schröder n'étaient pas des exemples de bolchevisme échevelé, mais ensemble, Union européenne, ils ont dit non à la guerre en Irak. Villepin a fait le chant du cygne de la diplomatie française et de son indépendance à l'ONU. Macron ne défend pas les intérêts de la France. Pas toute l'Union européenne, hein, parce que l'Angleterre, l'Espagne et l'Italie, qui ne sont pas des petits pays, et la Pologne ne nous ont pas suivis là-dessus. Mais maintenant, Merkel pleure. La France, l'Allemagne et la Belgique. Je vous donne des points de vue de nos internautes.
Isaac Galli qui nous dit « Si les États-Unis reviennent sur leurs paroles vis-à-vis de l'Iran, comment peuvent-ils prétendre pouvoir négocier avec la Corée du Nord sur le nucléaire? Leur parole ne vaudra plus rien. » Marie-Claire Lamoine qui nous… C'est un argument qui est lourd. Ouais. C'est un argument plein de poids, il faut reconnaître. Voilà. Féliciter bravo, notre auditeur. Absolument. Bravo Isaac Galli. Vous voyez, notre chroniqueur diplomatique apprécie cet argument qui est fort. Marie-Claire Lamoine qui nous dit « Quoi que le peuple français fasse, Macron ne l'écoute pas. » Préoccupation plus de politique intérieure. Et Jean-Pierre Lenoir, qui lui aussi est équanime, dit « Ils sont tous les deux gagnants. » Frédéric Dabi. Ok, 23. Je ferai beaucoup plus court que les intervenants précédents parce que j'ai peu de choses à dire sur le regard de l'opinion sur cette question. Ce n'est pas un sujet constitué, et parce qu'il est technique, parce qu'il est compliqué. Pour autant, dans notre baromètre fait tous les 2-3 ans sur les pays qui menacent le plus la paix dans le monde, l'Iran est très très haut dans le classement avec l'Irak, la Syrie et la Russie. Et c'est vrai que l'accord va être iranien. C'est de la perception, c'est le regard des Français. L'accord iranien n'a en rien, je dirais, modifié le regard des Français sur la moindre dangerosité de l'Iran. Maintenant, c'est vrai que ce sont des sujets qui ont peu de chances d'impacter le regard qu'ont les Français sur Emmanuel Macron. Je noterai quand même que, par rapport à ce que j'ai dit en fait, précédemment, le fait que son bilan le plus positif relève de la politique internationale, quel changement par rapport à la campagne faite présidentielle il y a un an, où il était vu comme très inexpérimenté, voire ignorant des questions internationales. De ce point de vue-là, il a gagné une vraie crédibilité chez la plupart des Français. Un autre point, sur la COP21, Trump a bougé ou pas le dossier a... Non, il ne s'est rien passé là. Il n'a pas bougé du tout. Pour que les auditeurs comprennent bien, il faut voir qu'il y a deux Irans. Il y a un Iran qui a commis des attentats terroristes en France et qui a kidnappé des journalistes au Liban, mais c'était les années 80. Alors, il faut quand même rappeler qu'au même moment, la France faisait bombarder Téhéran par ses super étendards pilotés par des pilotes français qui avaient changé d'identité. Donc ça, c'est... Voilà. Mais il faut aussi dire la vérité, c'est que depuis le 21e siècle, il n'y a pas eu un seul attentat contre les intérêts occidentaux ourdi à Téhéran. Tous les attentats contre les intérêts occidentaux, que ce soit en Occident ou que ce soit ailleurs, ont été commis par des groupes sunnites. Or, l'Iran est un pays chiite. Il faut quand même rappeler cela. Maintenant, il y a effectivement des pays comme Israël, par exemple, parce qu'il y a eu avant un président qui n'était pas réformateur, mais qui était populiste, qui s'appelle Ahmadinejad, et qui parlait de rayer Israël de la carte. Ce n'est plus le cas aujourd'hui avec Rouhani. Il y a aussi des pays, par exemple, l'Arabie saoudite a extrêmement peur de l'Iran et du contrôle du Golfe Persique par l'Iran. Mais l'Arabie saoudite a quelques difficultés à faire la leçon parce qu'elle a quand même financé les mouvements les plus radicaux, les plus anti-occidentaux pendant des décennies. – Oui, MBS n'est pas forcément comptable de ce passif. Hein. – MBS veut changer cela et c'est tout MBS qui par, ailleurs, oui, qui par ailleurs a une politique horrible à l'égard du Yémen où il bombarde les populations civiles. MBS sur le plan intérieur veut revenir effectivement à une séparation plus grande du politique et du religieux et à revenir à ouvrir son régime. Et il faut saluer cet effort d'ouverture de Mohamed bin Salman, le prince héritier saoudien. Tour d'horizon géostratégique de la région. Pendant que nous parlons, Emmanuel Macron, lui aussi, s'exprime donc devant le Congrès américain. Il regrette la position américaine sur la COP21 en expliquant qu'il n'y a pas de planète B, allusion au plan B. Et puis, il dit aussi qu'on ne peut pas balayer l'accord iranien d'un revers de main. Un dernier mot là-dessus, peut-être, Georges Kouzmanovitch. Je vais aller encore plus loin. En fait, ils ont remercié M. Macron pour ce qu'il a fait quand il était secrétaire de M. François Hollande. Comme vous le savez, il y a un rapport parlementaire qui a été rendu par un autre bolchevique échevelé, le député républicain Olivier Morlet, et les 30 députés qui étaient dans cette commission parlementaire de l'Assemblée nationale française, à l'unanimité, ont statué que Alstom a été vendu contre les intérêts de la France pour 12,7 milliards. Là, à General... votre histoire. Non, à General Electric. Ça a été organisé par M. Macron à l'époque, comme c'est mentionné dans ce rapport, et ses amis de la banque Rothschild et Bouygues ont fait un bénéfice de 4 milliards là-dessus. Il avait été promis, monsieur, qu'il y aurait un Airbus
du rail avec Siemens. C'est une caricature Siemens, de la France insoumise, Siemens, là, monsieur. Mais monsieur, c'est une caricature, je répète ce qui est dans le rapport parlementaire. Voilà, c'est quelqu'un qui ne défend pas les intérêts de la France. C'est vrai qu'il y a une hégémonie financière et judiciaire américaine sur l'ensemble de l'Occident. La preuve est que la BNP en 2015 a été obligée de payer 9 milliards d'amendes alors qu'elle n'avait contrevenu à aucune loi européenne ou à aucune loi française, c'est-à-dire que les Américains arrivent à exporter, à nous imposer leurs droits, mais ça, malheureusement, Macron ne sera pas capable de faire changer cet état de choses. Seul le président, l'Europe unie, le président de la Commission européenne aurait pu faire changer les choses, pourrait faire changer les choses, mais malheureusement, ce Juncker est soumis. Il aurait dû, après l'affaire de la BNP, convoquer immédiatement Goldman Sachs à Bruxelles, dire « Cher ami, j'ai un problème avec vous. Vous avez aidé un gouvernement de l'Union européenne à maquiller ses comptes publics. C'est une fraude considérable et je vous condamne donc à une petite amende de 20 milliards de dollars sous peine de plus pouvoir exercer vos activités en Union européenne. » Mais il ne l'a pas fait. Cette fois-ci, on s'arrête là. Cette fois-ci, on s'arrête là, parce que si on commence à parler... On s'est éloigné de Washington, et ça tombe bien, puisque nous revenons en France. Vous vous souvenez sans doute que dimanche dernier, dans Le Parisien, des intellectuels de tous horizons, des responsables politiques aussi d'ailleurs, y compris Nicolas Sarkozy, ont signé un manifeste pour dénoncer le progrès d'un antisémitisme venant de l'islam, parce que, en particulier, il y a des propos ouvertement antisémites et appelant à la violence contre les juifs dans le Coran. Une sorte de réponse à ce manifeste, c'est une tribune de 30 imams, tribune qui a été publiée dans le numéro du Monde d'hier. Et que disent-ils? Eh bien, eux aussi, ces imams, ils dénoncent l'antisémitisme, ils dénoncent aussi le terrorisme. Ils reconnaissent qu'ils sont très largement dépassés par le communautarisme et par un islam qui leur échappe complètement, qui se radicalise, en particulier chez les jeunes. Est-ce que, Alexis Lacroix, pour vous, c'est un tournant? Il est en train de se passer quelque chose? Là, les imams disent « nous ne pouvions plus nous taire plus longtemps ». Absolument. D'ailleurs, c'est le mérite du texte, par ailleurs critiquable et amendable, qu'ont publié plusieurs intellectuels et responsables communautaires dans le Parisien dimanche. Le mérite, c'est d'avoir déclenché, je crois, cette prise de conscience de hautes autorités morales de l'islam de France. Hein, parce que ces 30 imams sont assez représentatifs de sa diversité. Voyez. Donc, le texte du Parisien, par son caractère assez offensif, a déclenché, je crois, la nécessité pour un certain nombre de représentants de l'islam de France de prendre la parole au nom des musulmans et de dire effectivement ça ne se fera pas in our name. C'est une sorte de not in our name à la française. Et ça, c'est très bien. Je crois que c'est un des très bons aspects du texte du Parisien. Alors, par ailleurs, ce qu'il faut dire, c'est que ce qui est dommage dans le texte du Parisien, très dommage même, c'est la sous-représentation des personnes issues de cultures ou d'obédience musulmane. Car aujourd'hui, et en ce sens, je rejoins parfaitement la tribune qu'ils viennent de publier à 30 dans Le Monde, aujourd'hui, cela doit être un combat républicain qui fédère des Français d'origine sociale et de convictions religieuses ou philosophiques extrêmement différentes. La lutte contre l'antisémitisme ne peut plus exclure par principe ceux qui sont d'obédience musulmane, comme si, j'allais dire par atavisme culturel, il penchait du côté d'une forme de complaisance quelconque à l'endroit de l'antisémitisme. Quand on connaît un peu le monde musulman français, je crois que c'est mon cas, hein, peut-être comme vous d'ailleurs, on sait très bien que l'antisémitisme, il y est minoritaire, mais important dans une frange minoritaire de la population musulmane. C'est cette frange minoritaire qui doit être, disons, soignée. Or, je pense qu'effectivement, la médiation d'autorités religieuses n'est pas mauvaise. Néanmoins, je voudrais quand même dire encore un mot là-dessus. Je me demande parfois si dans le débat public français depuis quelques années, on n'a pas eu tort, même, vous voyez, Guillaume, dans les journaux, de prendre cette question de du nouvel antisémitisme à partir d'un point de vue strictement religieux. C'est d'ailleurs la critique modérée, mais que j'émettrais à l'endroit de Philippe Val et de son texte du Parisien. C'est qu'il a trop tendance, à mon avis, à insister sur la dimension religieuse et théologique. Il faudrait beaucoup plus faire sa place à une réflexion civique et sociale sur les causes de cet antisémitisme
qui franchement sont loin d'être réductibles à mes yeux au Coran. Alors si on en revient à, justement à cette origine de l'antisémitisme à l'intérieur du Coran, écoutez Tarek Oubrou, c'est l'imam de la mosquée de Bordeaux, c'est le premier signataire de la tribune publiée dans Le Monde hier, et quand on l'interroge sur ces traductions françaises du Coran qui appellent à la violence, eh bien il avoue une forme d'impuissance. Écoutez-le. D'abord, il faut comprendre le texte dans l'univers du texte, c'est-à-dire dans son contexte historique. Donc l'interprétation du texte, c'est l'affaire des spécialistes et des savants, et pas des ignares. Les traductions françaises sont mal faites? Ah, c'est une catastrophe. C'est, les prendre à la lettre, il y a beaucoup de passages en français qui me choquent. Il n'y a pas de canonisation d'une traduction. Une traduction, elle doit être reçue comme une interprétation parmi d'autres. Donc il faut relativiser ce qu'on lit. Renaud Girard, est-ce qu'on peut rapprocher ces points de vue entre ces imams un peu éclairés, on peut dire qu'ils disent qu'il faut interpréter, et puis tous ceux qui disent mais non, le Coran c'est la parole de Dieu, on n'y touche pas, et tout ce qui est écrit dedans doit être pris au pied de la lettre. On revient à notre conversation présente, c'est très intéressant, entre le schisme et le sunnite. L'avantage du schisme, ce que vous ne voyez pas suffisamment, Alexis, c'est que l'interprétation dans le schisme est libre. Pourquoi est-elle libre ? Parce que dans le schisme, on croit qu'il va y avoir un imam qui va revenir, c'est le Mahdi, le 12e imam qui doit revenir, et c'est seul lui est capable de nous expliquer la vérité du Coran, parce qu'il est un texte, pour le moment, qu'on considère comme opaque. C'est pour ça que vous avez beaucoup d'écoles différentes dans le schisme, et c'est pour ça que le grand ayatollah d'Irak, Sistani, critique le système politique de l'Iran. Le problème, Renaud, c'est que les musulmans français, ils sont presque tous sunnites. Oui, et dans le sunnisme, alors dans le sunnisme, le problème, c'est que dans le sunnisme, le problème sur ce sujet, dans le sunnisme, la liberté de l'interprétation, la liberté critique, le goût pour la science a été arrêté. Je ne vais pas entrer dans la technique, mais à Bagdad, par un moine un peu puritain et fou qui s'appelait Hanbal, mais qui a fini par, c'est l'Hanbalisme qui a fini par gagner, et ensuite dans le califat de Cordoue, après Averroès, il y a eu une fatwa qui a arrêté toutes les interprétations. Alors nous avons eu au XIXe siècle, dans l'université Al-Azhar, Mohamed Abdou, et une volonté de réformer l'islam, de faire passer la science et la conscience devant des préceptes qui venaient du 7e siècle, mais toute cette réforme de l'islam, en fait, ne s'est pas faite. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu la réforme s'est faite dans le mauvais sens, à partir du 20e siècle, à partir de Hassan el-Banna, le fondateur des Frères musulmans en 1928, c'est un instituteur d'Ismaïla, et en fait au lieu de faire comme l'Église catholique, c'est-à-dire se réformer, aujourd'hui les papes reconnaissent que l'Église avait tort et que c'est Galilée qui avait raison, eh bien, la réforme en islam s'est faite dans le mauvais sens, puisqu'on est allé vers le retour aux pratiques et aux croyances de nos pieux ancêtres, c'est les salafs, le salafisme, et donc on a voulu faire un retour au 7e siècle. Et donc merci. Voilà le problème qu'a aujourd'hui, mais vous n'avez pas en sunnisme, c'est mon dernier mot, vous n'avez pas de grands ayatollahs, donc vous n'avez pas de pape, vous n'avez pas d'autorité. Merci, Renaud Girard. Alexis, je vous laisserai. Ne laissons pas penser que le sunnisme est par essence fermé à la libre interprétation. Je peux citer deux intellectuels aujourd'hui, hélas disparus, mais qui sont de grands savants. Vous citez deux noms qui affirment ce que j'ai dit. Ils affirment, oui, ce que dit Renaud surtout. Ils ont marqué la culture française, ce sont des sunnites, c'était le Tunisien, vous le connaissez très bien, Abdelwahab Medeb. C'est un sunnite. Et le deuxième, c'est Mohamed Harkoun. Et maintenant, Renaud Girard, je vous coupe la parole, car le temps passe. Le temps passe, la parole est à Frédéric Dabi. Je vais essayer de revenir dans le temporel et l'état de l'opinion. Sur ces questions en fait, antisémitisme, on est sur des questions sérieuses. Je cite mes sources, l'enquête IFOP pour la Fondation pour l'innovation politique en 2014 et une enquête pour l'UEGF et SOS Racisme faite en 2015 pour les 10 ans de la mort d'Ilan Halimi. On voit deux choses. D'un côté, le fait de se déclarer antisémite, on reprend des questions historiques de l'IFOP sur les Juifs ne sont pas des Français comme les autres, concerne une minorité de Français. On est entre 8 et 9 %. Pour autant, sur les échelles concernant des stéréotypes associés et des caricatures ou des clichés associés aux Juifs, ils ont trop de pouvoir dans les médias, etc. Les deux enquêtes montrent qu'il y a trois groupes, trois populations où
le fait de se reconnaître dans ces clichés antisémites est plus important que la moyenne. Les sympathisants du Front National, les sympathisants de la gauche, les insoumis en fait, n'existaient pas, c'est des gens qui se déclaraient proches du Parti communiste et du Front de gauche, ils ne sont pas tous antisémites, bien sûr, mais ils étaient un peu plus que la moyenne sur les clichés. Et puis, de manière très importante, en moyenne 20 à 30 points pour toute une série de phrases, les Juifs ont trop de pouvoir dans les médias, ils ont trop de pouvoir dans l'économie et la finance, ils utilisent leur statut de victime, c'était nettement plus partagé, de l'ordre de 20 à 30 points chez les Français se disant de religion musulmane. Donc auprès de cette population-là, auprès de ces populations-là, on ne va pas sonder les consciences et les traiter d'antisémites, il y a plus d'adhésion à des préjugés ou à des stéréotypes antisémites. Jean-Philippe Kuzmanovic, très court là-dessus. Parce moi, je suis très court. Bon, déjà, il faudrait éviter de faire la confusion qu'on fait avec ce que vous dites avec la gauche, dont je récuse, nous ne sommes pas la gauche, sur le fait que certains, quand il y a des critiques... sympathisants de gauche. Quand il y a des critiques de la politique de l'État d'Israël, et que ce soit... Israël n'était pas concerné par cette politique. Oui, mais c'est souvent détourné et assimilé à l'antisémitisme. Non, mais on ne parlait pas d'Israël. Je veux dire que la tribune dans Le Parisien de Philippe Val est une honte, et je rejoins à 100% les propos de M. Haskolovitch, qui a suffisamment écrit sur la non-reconnaissance de la montée de l'antisémitisme en France pour dénoncer la manière dont des pré-retraités de la politique et des semi-stars des médias détournent un problème réel qui est la montée de l'antisémitisme dans certains endroits, les crimes qui ont été commis, pour faire du communautarisme. Ne les injuriez pas. Écoutez, je dis ce que je veux. Et d'ailleurs, je vous dis que je reprends ce que dit M. Haskolovitch. Et ces gens-là, c'est un problème. D'abord, on ne change pas un livre dont la vérité est révélée. C'est complètement imbécile. Vous avez très, très bien expliqué. Ils ne font qu'une différence entre le Coran et les hadiths du prophète. Deux choses complètement différentes, mais visiblement, ils ne font pas la différence. Mais très étonnamment, tous ces gens-là sont très, très liés. Tous ces gens-là, je parle de Valls, ou de Sarkozy, avec des pouvoirs politiques particulièrement antisémites. Je reviens à nos amis d'Arabie Saoudite ou du Qatar, où ils vont régulièrement, où ils font des conférences. Alors, et Sarkozy, je monsieur, comprends ce que je vous dites. Concernant Est-ce Val, que vous pouvez respecter parce que concernant Valls, c'est une imputation calomnieuse, monsieur. Oui, non. Je me semble qu'il est allé au Qatar, et que le Qatar, c'est Al Jazeera, et que l'Al Jazeera a plus d'une prêche tout à fait inacceptable sur... tout un tas de choses, et en particulier sur les Juifs et l'État d'Israël. Visiblement, à ce moment-là, ça ne les dérange pas beaucoup, vu qu'ils vont y chercher de l'argent et du soutien politique. Donc c'est tout à fait totalement inadmissible, et je salue la tribune dans le monde des 30 imams, d'abord parce qu'ils le font en tant que Français, en tant que défenseurs de la République, ce que je soutiens, et ils encouragent de dire qu'il y a des problèmes dans leur communauté, spécifiquement les salafistes et takfiristes, justement, financés et soutenus moralement et pécuniairement par l'Arabie Saoudite et le Qatar. Et d'ailleurs, le dernier mot reviendra à Habib Regiegh sur les réseaux sociaux, un internaute qui suit Point de vue et qui nous dit qu'il faut plutôt mettre fin au monopole de l'interprétation des salafistes saoudiens. Ça fait écho à ce que vous venez de dire. Il nous reste quelques minutes pour parler du classement annuel de la liberté de la presse qui est fait par Reporters sans frontières et qui vient de sortir. Alors, il y a des pays comme la Chine ou la Corée du Nord où les médias sont évidemment en danger, où la liberté de la presse est bafouée. Mais selon RSF, il y a aussi des menaces contre la liberté de la presse en Europe. L'organisme cite la République tchèque, la Slovaquie ou Malte, où une journaliste a été assassinée, et parle même des États-Unis à cause de notamment des propos belliqueux de Donald Trump à l'encontre des journalistes. Renaud Girard, est-ce que ces menaces vous paraissent réelles? Je ne parle pas là des dictatures, mais de régimes d'Europe de l'Est ou des États-Unis contre la presse, ou est-ce qu'on crie avant d'avoir mal? C'est un peu ça. On crie avant d'avoir mal. Il y a quand même une liberté de la presse en France. Il suffit d'ailleurs d'aller dans un kiosque et de voir ce que vous pouvez prendre donc, et de ce que vous pouvez lire. Heureusement, d'ailleurs, qu'il y a une liberté de la presse. Mais c'est vrai que vous pouvez avoir... peut se créer un phénomène de pensée unique ou de politiquement correct où, effectivement, je trouve que notamment dans les médias publics, je ne suis pas sûr que toutes les tendances de l'opinion soient totalement représentées. C'est-à-dire que j'ai l'impression que dans les médias publics que j'écoute,
France Culture, France Inter, les chaînes de télé, France 2, etc. J'ai l'impression que les leaders et que les idéologues qui se trouvent au centre de l'échiquier politique sont davantage représentés, on leur donne davantage la parole, les intellectuels aussi, que ceux qui sont aux extrémités, que ce soit à gauche ou que ce soit à droite, de cet échiquier politique et idéologique. C'est ce que je remarque de loin, comme un auditeur des médias. Donc je pense qu'en fait, ce qui est dangereux, c'est de ne pas accepter le débat libre. Il faut du débat. Vous l'avez souligné au début de cette émission. Moi, je ne suis pas d'accord avec beaucoup de choses de ce que dit M. Bernard-Henri Lévy, mais j'accepte de débattre avec lui, comme je l'ai fait dans le Figaro Magazine, car je pense que la vérité ne sort jamais toute casquée de notre tête. Je pense que la vérité est dialectique. Et nous avons appris ça en Cagne, et donc je suis pour. Et c'est pour ça que nous faisons des débats, et que nous-mêmes, les débatteurs, nous apprenons beaucoup dans ces débats. Et merci beaucoup. Jerzy Kuzmanowicz, la France est au troisième rang dans ce classement, et Reporters sans frontières s'inquiète d'une forme de média bashing, et dont peut-être Jean-Luc Mélenchon est l'un des acteurs, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne ménage pas les journalistes. Oh, faut pas exagérer. En fait, la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon ont été attaqués suffisamment par les médias pour... C'est totalement incroyable de dire que le média bashing va dans l'autre sens. Mais effectivement, la liberté de la presse est quelque chose d'extrêmement important. C'est en cela que je suis américain, ou si j'y ai vécu. Et je trouve que leur premier amendement sur la liberté de la presse est parfait. Il ne devrait pas y avoir de contrôle. Tout le monde devrait pouvoir s'exprimer, car on ne sait pas qui peut dire le vrai et le faux. Mais nous avons une autre vision de comment est-ce que la presse peut être contrôlée. Malheureusement, en France, 9 milliardaires, principalement des fabricants d'armes, détiennent la plupart, 95% de la presse. C'est aussi un souci, c'est-à-dire c'est à peu près la même situation qu'en Russie. C'est-à-dire que ce sont des milliardaires, des oligarques, amis du président en place, qui détiennent la plupart des médias. Nous sommes pour un retour aux médias, à la presse, aux médias en général, tel qu'il était proposé par le Conseil national de la Résistance, je crois que personne ne sera contre ici, qui disait que la presse doit être libérée des pouvoirs d'argent et des influences étrangères. Sauf qu'elle a aussi besoin d'argent pour investir la presse, notamment dans le numérique. Oui, mais on pourrait trouver d'autres moyens. Et nous avions justement proposé une institution de régulation de la presse, composée de journalistes et de citoyens. Merci beaucoup. Alexis Lacroix, il nous reste quelques secondes. Un point de vue là-dessus. Est-ce que c'est vrai que la presse est menacée en Europe ? J'entends ce que dit M. Kuzmanowicz. C'est pas faux. C'est-à-dire qu'effectivement, la concentration dans le domaine de la presse, comme dans d'autres domaines, dans le domaine de l'édition, etc., pose à terme probablement des problèmes éthiques. Néanmoins, quand vous connaissez de l'intérieur, ce qui n'est pas votre cas, monsieur, quand vous connaissez de l'intérieur le fonctionnement des grandes, si vous voulez, rédactions concernées par des propriétaires qui sont par ailleurs à la tête de grandes holdings industrielles, vous savez très bien, vous devriez savoir normalement que ce fantasme du contrôle politique est absolument inexistant. Vous voyez, il est inexistant, c'est comme ça. Vous voyez, on peut le dire très clairement à tout notre public, à tous les gens qui se font des idées. Alexis Lacroix. Je ne vous rends pas la parole parce qu'il nous reste très peu de temps. Il me reste quelques secondes. D'abord, pour passer par Twitter, où on vous a interrogé là-dessus. Est-ce que vous pensez qu'il y a une sorte de haine qui se développe à l'encontre des journalistes en Europe, aux États-Unis? Vous êtes près des deux tiers, même exactement les deux tiers, à considérer que oui. Et le dernier mot revient à Frédéric Gabi. J'ai trouvé une enquête IFOP faite pour RSF en 2016 sur est-ce que la presse est libre en France. Deux tiers des Français répondaient par fait affirmatif, mais plus intéressant, quelles sont les principales menaces qui pèsent sur la presse et les journalistes? Les Français citaient le risque d'attentats ou d'attaques physiques vis-à-vis des journalistes et les pressions du pouvoir politique, beaucoup plus que les pressions exercées par les grandes entreprises, avec sur cette question un clivage gauche-droite extrêmement saillant. Merci beaucoup, merci à tous les quatre, à tous les internautes qui nous ont suivis. Point de vue, c'est fini pour ce soir, mais ça repart demain à la même heure, au même endroit. Bonsoir à tous.